Mesdames et messieurs, dimanche, on passe des très bons moments en famille. Ma réflexion, comme je vous avais promis, au sujet du fanatisme dont Fatshi n'a pas besoin. Le contexte politique congolais aujourd'hui, c'est un contexte beaucoup plus dangereux. Beaucoup plus dangereux, mais en même temps prophétique. Pourquoi je dis prophétique? Parce que, voyez-vous, si vous regardez le Congo dans une dimension spirituelle, vous comprendrez que c'est l'heure du changement. Du point de vue spirituel. Bon, c'est vrai que c'est vraiment pas, ça fait pas l'unanimité, hein. Il y a des gens qui ne croient pas en ça. Mais excusez-moi, c'est par carence des vocabulaires. Si j'avais un vocabulaire beaucoup plus riche, en tout cas, je m'étendrais autrement. Mais je n'ai pas d'autres mots que ça. Comprenez-moi comme ça, s'il vous plaît. Si vous regardez le pays dans une autre dimension spirituelle, vous comprendrez que ce qui s'est passé au Congo n'a pas une explication scientifique. En réalité, c'est l'heure du changement. Que l'opposition radicale se retrouve au pouvoir, ce n'est pas par enchantement. Il y a eu beaucoup d'accidents, il y a eu beaucoup d'incidents, mais surtout, il y a eu une main un peu plus compliquée que l'on peut comprendre. Bref, si vous ne voulez pas les termes de main, mais en tout cas, il y a eu un concours de circonstances qu'on ne peut pas expliquer convenablement et avoir ne serait-ce qu'une base logique des choses. D'autres parlent de tricherie, d'autres parlent de nomination, d'autres parlent de hold-up, d'autres parlent de beaucoup de choses. Mais mon problème n'est pas là. Mon problème est au moment. Mon problème est au niveau du temps et de l'heure. Nous sommes arrivés à un moment donné où le Congo doit ressembler à ses richesses. Parce que le paradoxe qu'on avait dans le temps, ça faisait des années et des années que le Congo ne représentait pas ce qu'il était en réalité. Un pays potentiellement riche, mais la population vit dans l'extrême pauvreté. C'est simplement inadmissible et à la limite un blasphème. Et même aussi de l'ingratitude vis-à-vis de la nature. Ce n'est pas pour rien que la nature s'est organisée à nous donner ce dont on a aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Mais le problème est à quel niveau? Le problème est que à chaque fois que le Congo rencontre ce pic, cette pic, pardon, à chaque fois que le Congo arrive à ce moment, à ce niveau, il y a toujours un élément important qui arrive pour reculer et ramener la RDC en arrière. Regardez, nous sommes en train de souffrir. On est en train de souiller toutes les humiliations qui puissent exister dans le monde. Des mains coupées, des personnes assassinées, des séquestrations organisées, des viols collectifs, tout ce qu'il y a eu comme sévices. Mais il fallait à un moment donné que ça s'arrête. Et quand le Congo veut prendre son envol, pour décoller en 1960, un très grand conflit arrive. Lumumba ne s'entend pas avec Kasavubu. Kasavubu ne s'entend pas avec Lumumba. Pourtant, les deux camps étaient déjà d'accord. Avant le 4 janvier, ils étaient d'accord, ils ont regardé dans la même direction. Il y en a même un groupe qui a refusé de siéger parce qu'un d'eux n'était pas là. Alors, cette unité va se perdre le 30 juin. Un peu plus avant, on va dire, hein, c'était déjà des faits comme ça qui poussaient les gens à ne pas s'entendre. Et finalement, le divorce va être consommé pendant cette période. Le temps que le Congo se développe, finalement, le Congo va faire un bond en arrière et un vrai bond en arrière. Et tout le monde connaît l'histoire. Pendant que nous étions je dis, indépendants, il y a d'autres pays africains qui étaient encore sous la colonisation. Nous avons quand même le privilège de commencer avant. On n'était pas seul, il y avait pratiquement 17 pays qui ont vécu l'indépendance la même année. Mais ce qui va être dangereux après, c'est que ce désordre entre
Lumumba et Kasavubu. Ce désordre va finalement entraîner le pays dans une déroute. Et un opportuniste vient voir le jour. Cet opportuniste, c'est Mobutu. Mobutu vient, il impose son leadership. Mais le pays est mal, parti. Le pays était bien parti. Nous, contrairement à beaucoup de personnes, nous sommes nés une république. Nous sommes nés une république. Et même avant, on était déjà prophétiquement bizarre. On était déjà un État indépendant. Déjà. On était déjà un État indépendant. Ça dit, c'est quand même bizarre, hein? Cette indépendance, elle s'est déclarée alors que la vie de tous les jours était la contradiction. L'État indépendant du Congo, mais les gens qui vivaient dans cet État indépendant n'étaient pas indépendants. C'était des gens des esclaves ou alors des colonisés. Le statut n'était pas totalement, pas clairement défini. Tantôt esclaves, tantôt colonisés, ainsi de suite. Mais au moins, en termes d'appellation, on était déjà un pays assez prophétique. Je veux dire ça, prophétique pas en termes de Dieu, mais prophétique en termes même des aspirations. Nous arrivons, nous créons le pays, nous sommes le seul pays à s'appeler République démocratique. Nous sommes le seul pays. On est démocratique, déjà, bien avant. Il n'y a pas beaucoup de pays démocratiques dans le monde qui se disent démocratiques dans leur appellation. Non, les États-Unis sont aujourd'hui, entre guillemets, je dis bien, entre guillemets, considérés comme l'une des meilleures démocraties dans le monde. Mais ce ne sont pas les États-Unis démocratiques, non. La France est un pays démocratique, mais ce n'est pas la République démocratique de la France. Ce n'est pas la RDF là-bas. Ce n'est pas la RD Belgique. Disons, oui, ce n'est pas le RD Belgique, le Royaume démocratique de Belgique. Non. Ce n'est pas non plus le RD, le RDU, Royaume démocratique uni. Non. Chez nous, c'était la République démocratique du Congo. D'abord, une république qui n'aura pas une dictature, mais une démocratie du Congo. Donc, vous comprenez un peu comment ça se passe. Déjà, en termes d'appellation, c'est un pays qui est toujours en avance que son ère. Déjà en avance. On va rompre ça, malheureusement, avec Mobutu qui vient et qui installe la dictature. Mobutu installe la dictature, mais il comprend qu'il ne peut pas réussir s'il ne se fait pas entourer des hommes intelligents. Mais les combles avec Mobutu, c'est qu'il prend les intelligents, il les apprivoise. Il les apprivoise. Apprivoiser les hommes intelligents, ça veut dire enlever la nature exacte d'un intellectuel. C'est quoi? C'est l'intransigeance vis-à-vis des valeurs. Un intellectuel, c'est une lumière. On ne le met pas sous la nappe. On ne le met pas sous la table. Un intellectuel, c'est le premier révolutionnaire. Un intellectuel, c'est un rebelle contre un système d'oppression. Alors que Mobutu était en train d'installer une anarchie, une dictature, les intellectuels qui devraient en principe l'aider à démocratiser le pays, l'ont aidé finalement à dictariser le pays, si le terme existe. Et finalement, nous allons tomber dans une dictature beaucoup plus forte, beaucoup plus noire, concentrée à un individu, aux humeurs d'un individu, aux caprices d'un individu. Et tous les intellectuels, au lieu de regarder devant, ils n'ont plus regardé devant, ils ont regardé dans le soulier de Mobutu. Et ils mangeaient tous à la main de Mobutu, lui donnant tous les noms possibles. Papa, timonier, prêtre, Aleki Bango, Yamoukolo, Seseseko, Gugumbendou. Bref, on lui a donné tous les noms de gloire. On a essayé de déifier Mobutu. Faire comprendre à Mobutu qu'il ne pouvait pas commettre des erreurs. Lui, ce n'était pas le problème. Quand il y avait des erreurs, c'était les autres. Lui, il n'était que bien, 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 jusqu'au bout. Tu ne lui parles pas en le regardant, il faut t'incliner. Donc, c'était comme ça, en fait, Mobutu. Le tout-puissant, l'omnipotent, l'omniprésent, Mobutu, c'était le tout et le tout. Et qui ont fabriqué ça? Les intellectuels. Qui ont aidé Mobutu à finalement être le dieu du Congo, le roi du Zaïre, les intellectuels. Monsieur Sakombi Inongo va trouver une idée géniale, je ne sais pas si c'est lui ou ses collaborateurs, pour placer Mobutu dans les nuages. Mes frères, les nuages sont les infrastructures intangibles qui se trouvent au sommet de. Je veux dire, au sommet, sans support. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Les nuages, ça veut dire, ça ne touche pas
la terre. C'est une distance. Et quand on place quelqu'un là-bas, c'est comme on le place dans les astres. On le place dans les astres, il est, ce n'est plus un homme. Du moment où on le met dans le nuage, ce n'est plus un homme. Qui est censé venir dans le nuage? Ceux qui lisent la Bible, c'est Christ qui est censé venir de là. Alors quand vous avez un humain qu'on place dans les nuages, ça veut dire qu'on l'a égalé à Dieu. Je ne rentre pas dans la polémique de qui est Dieu. Non, on n'est pas dans ça. On le place là-bas. Et quel est l'impact dans la tête des gens? Ça veut dire que cet homme, on ne l'attaque pas. Tu ne peux pas l'attaquer parce que c'est de là que viennent les anges. C'est de là. Et il y a eu des intellectuels qui ont milité pour garder les gens dans cette idée que Mobutu est un intouchable, c'est l'enfant de Dieu, c'est Dieu qui l'envoie. Vous ne pouvez pas vous opposer à lui. Aura-t-on une belle occasion de nous développer? Mobutu a la plus belle idée du monde, le retour à l'authenticité. Il y a eu un problème entre retour et recours à l'authenticité. Mobutu, je crois qu'il a fait le recours. Et quand il fait le recours à l'authenticité, on ne peut recourir à quelque chose qu'on connaît. Mais il se rend compte que Mobutu a une définition très minimale de l'authenticité. Pour Mobutu, l'authenticité, c'est au niveau des noms. Mais Mobutu ne sait pas que l'authenticité africaine, c'est le respect de l'autre. Mobutu ne sait pas que l'authenticité africaine, c'est le respect du pouvoir. Au village, ceux qui avaient le pouvoir étaient ceux qui dormaient le moins. En Afrique, le pouvoir, ce n'est pas se servir. Non. En Afrique, le pouvoir, c'était servir les autres. Voilà pourquoi les rois, les chefs coutumiers, c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent que les autres. Parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils étaient là pour résoudre les problèmes des autres. Mobutu, l'authenticité dont il parle, c'est l'authenticité des noms, mais pas l'authenticité réelle. Pas l'authenticité du pouvoir, du potence. Et c'est là que ça va tout capoter finalement. Parce que tu fais le tri, tu prends une partie, tu laisses les autres. Et on va aller comme ça, vous le savez. On va aller comme ça. On ne s'appellera plus Christian, on va s'appeler finalement Bosembe. Ici, un Kangamangalanke, Mangalanketa, fait Djendeta, l'autre que tu pas ok la joy. On va s'appeler Mobutu, c'est Kokumbe, tout à sa banque. On va s'appeler tout ça. On va s'appeler comme ça. On va plus s'appeler Christian et ainsi de suite. Mais bon, parce que ça ne marche pas. Au lieu de que les intellectuels rappellent à Mobutu, non, on a fait fausse route. Il va encore arriver avec cette histoire des aïranisations qui va finalement déranger même notre pays. La zaïranisation, une belle idée, un très beau projet, une belle pensée. Mais la forme était mauvaise, mal appliquée, très mal suivie. Et la forme était finalement contraire même au fond. Et le projet si beau va tomber dans l'eau. Vous le connaissez, la suite. Après, c'est Laurent Désiré Kabila qui arrive. La même chose. Libérateur. Président éternel. Président Yandengue Nandengue. Sauveur de l'humanité. Soldat du peuple. N'ai jamais fait ceci. N'ai jamais fait cela. Blablabla. La même chose. Laurent Désiré Kabila, lui aussi, fait la même chose. On ne connaît pas son rôle exactement. Il est qui? Est-ce qu'il est président de la République? Est-ce qu'il est ministre de budget? Il est ministre de défense? Est-ce qu'il est le général d'état-major? Il est qui finalement? Finalement, c'est un tout. C'est un président de tout. Il ne fait pas beaucoup de temps. Là aussi, on a raté l'occasion. L'occasion, c'était finalement de démocratiser le pays et d'offrir au pays les institutions les plus importantes et les plus fortes. Malheureusement, il est parti sans avoir appliqué ses idées. Et vient le tour de Joseph Kabila Kabange. Ça, il faut dire, c'est le chaos. Le chaos, pourquoi? D'abord, une chose. Joseph Kabila arrive au pouvoir, il a 29 ans. Il est donc le témoin d'une jeunesse abandonnée. Il est témoin d'une jeunesse oubliée. Il est témoin d'une jeunesse déstructurée, inactive, inconsciente. Mais c'est quand il arrive au pouvoir. Quand Joseph Kabila arrive au pouvoir, je crois, moi, je sais plus l'âge que j'avais, mais j'étais vraiment jeune, beaucoup plus jeune. Mais il arrive. Joseph Kabila Kabange, quand il arrive, à 29 ans, il s'est fait entourer par les derniers Mobutistes. Il s'est fait entourer par les derniers Mobutistes et quelques amis de son père.
Ils sont avec lui. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? L'intellectuel commet la pire des erreurs. Dire, parce que Joseph Kabila, quand il arrive au pouvoir, c'est quelqu'un de très, d'abord de très ouvert, disons, fermé, oui, mais humble. Non, mais humble, il appelle tout le monde papa, il est poli avec les gens, il est calme avec les gens, il discute avec les gens. Il discute avec les gens. L'anecdote et les histoires, vous allez lire dans les livres, les histoires rappellent que Joseph appelait ses anciens collaborateurs au téléphone, lui-même au téléphone. Et ces mêmes intellectuels lui ont dit non, 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 c'est pas comme ça un président. Non, 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 un président, c'est pas comme ça. Tu dois faire peur. Tu as un problème, tu es jeune, tu as une langue assez lourde. Il ne faut pas que tu sois bien avec ces gens. Il faut être assez fort. Il faut dissuader. Il faut... Et on a construit un autre monstre. On a construit une autre personne différente de celle qui avait pris le pouvoir. Et les intellectuels vont commencer à ramper. Ramper. Tous les diplômes sont tombés dans le puits là-bas. Et ils ont créé un mystère qu'ils ne pourront plus contrôler. Jusqu'en 2019. Kabila fait des choses que personne ne peut s'imaginer qu'il le fait. Aujourd'hui à Kinshasa, vous pouvez marcher au Tamboli, au Tamboli, au Tamboli, au Tamboli, Ndako Kabila, au Romonate. Les rapports internationaux parlent de là, mais pour les citer, lui, directement, c'est compliqué. Il est auteur de 80 entreprises. Cherchez les 80 entreprises, vous allez commencer à les chercher, vous n'allez pas les trouver. Je ne dis pas qu'il ne faisait pas ça, pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui a su jouer avec les histoires qu'il avait entre ses mains. Je n'entre pas dans le détail. C'est Félix Tshisekedi maintenant qui m'intéresse. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Il trouve un pays détruit. Il trouve un pays oublié, isolé. Il trouve un pays qui peine à se relever. Il trouve un pays en train de tanguer terriblement. Mais comment va-t-il faire pour reconstruire le pays? Les mêmes opportunistes qui ont été avec Mobutu, qui ont été avec Kabila le Joseph à un moment donné, c'est les mêmes opportunistes qui viennent entourer le Félix Tshisekedi. Et nous craignons que l'histoire se répète. Nous craignons que ceux qui ont été comme des bulldozers, qui, comme on dit en boxe, avalent l'âme des autres, nous craignons que ces mêmes personnes puissent avaler l'âme de Félix Tshisekedi. Parce que d'un côté, Félix Tshisekedi est très populaire, mais la popularité de Félix Tshisekedi est une popularité, excusez-moi de vous le dire, remplie de fanatiques. Non, pas des gens qui peuvent dire à Fachi la vérité dans les yeux. Non, mais c'est des gens qui sont autour de lui pour lui dire que « Yende peuple alingi koleka ». C'est des gens qui passent la longueur de journée en disant au président « Mais oso comprendre, donc t'es batou balingi sou marantin fa elouté. Batou balingi deyo. Peuple azo lingao zana idete, mikole zaka fa. Béton, béton, béton. » Et ce sont les mêmes propos qu'on a dit à Kabila Joseph, les mêmes propos qu'on a dit à Mobutu, le même propos qu'on a dit à Laurent Désiré Kabila. C'est le même propos. Peuple alingi o mingi, obike mikolo et la somme, yo na yo kak. On prend deux, trois petites vidéos, on les monte en faveur de lui, on lui montre. Comme il n'a plus beaucoup de temps de suivre les émissions, il n'a plus beaucoup de temps d'écouter les autres, il est un peu déconnecté de la réalité, alors on lui montre ce qu'eux veulent qu'on lui montre. Et c'est ainsi qu'on change la mentalité d'un homme. Les présidents des républiques, de toutes les républiques du monde, sont les premiers vulnérables. Naba entourage nabango. Baza batali bosso batakaba vulnérable. Parce que vous savez, quand on commence à te dire que pouvoir n'a été menacé pour un autre hôtel, pouvoir n'a été menacé pour un autre hôtel, l'homme a tendance à développer un comportement d'autodéfense. Et ce comportement d'autodéfense peut être suicidaire pour Naïmoko. Parce que les gens le considèrent non pas comme un homme qui peut sauver le pays, mais comme un article commercial. Comme quelqu'un, comme une vache à lait, comme quelqu'un qu'il faut flouer, mentir, tromper et manipuler. Parce que quand on dit manipuler, les gens disent, mais non, on ne peut pas manipuler un président. Si, le président, c'est la personne la plus vulnérable qui puisse exister. On lui donne les informations,
On peut les manipuler dans l'information de la. Combien de projets de construction ont été refusés en Afrique? Parce qu'on a dit à un président, si tu construis les routes, les rebelles entreront rapidement. Il ne faut même pas construire de routes. Beaucoup de présidents n'ont pas construit des routes pour protéger leur régime. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, si vous êtes pour le président, vous devez commencer à dire au président Makambuya Malonga, Oya Lingi Ayoka. Et on change un président comme ça. Quand quelqu'un vient dire au président, monsieur le président, Makambo eleki na mboka oyo eza malamute. Le peuple du Bas-Congo ba sepelite okenaki na Banzangungu ozu décision kuna ozongi tisiko ba Banzangungu wana ba zuno no biloko na bango te. Quand tu dis ça au président et que le président appelle celui à qui il avait donné l'ordre, celui-là peut demander au président, président, n'ayez monsieur Makabwana. Le président dit non, mais tel m'a dit, tu deviens un adversaire. Et tu deviens quelqu'un à abattre. Comme on l'a dit, la présidence, malem, malem. Et c'est ainsi qu'on fait le nettoyage de cerveau au niveau de la présidence. C'est de cette façon-là. Quand quelqu'un se dit non, nous devons aider le président. Notre Bitumba est un Bitumba, il y a révolution. Nous nous sommes battus pour avoir ce pouvoir. Pas pour nous servir. Non, mais pour servir aux autres, les autres. Quand vous commencez à avoir une idée comme ça, on vous calcule, bateau, vous allez coopérer à la présidence, ma bengani bino. Et c'est comme ça que nous sommes en train de ne pas capitaliser Biloko. Le président Fatshi devrait prendre des grandes décisions pour les changer Makambu. Mais attention, peu importe le temps ou pas, mais il y a toujours des gens autour de lui qui lui disent « Président, n'y va pas comme ça, qu'aucune des beautés, qu'on ça la beauté. » Parce que ces gens-là se cachent derrière une idée menaçant le pouvoir de Fatshi. En disant que Fatshi sur Salibo et comme Elomabe, c'est un homme, c'est un individu. Au-delà de tout, à la moto, à la maïna maquila, il n'y a pas de bagne pour la Bokondinae. Quand vous commencez à lui dire des choses qui vont aller à l'encontre de son régime, il ne va pas le faire. Il va refuser d'aller dans ce sens-là parce que Babi Seki est que Biloko ne Gokouya. Et qui lui disent, c'est des gens qui ont vécu 18 ans avec Kabila, qui lui disent, c'est des gens qui ont vu Mbutu tomber. Alors, il dit, je fais confiance à Bato. Ils ont raison. Ils ont raison s'ils me disent ça. Ils ont raison. Et il y a beaucoup de choses qu'on dit, non, prison, sur sa liberté et Fimbate. T'as la pour la Kabila Oumela, à Salakibou. Yo peut son salibou, au salibou, au Koumela. Or, nous savons que Kabila Oumela qui n'a contexte de la dictature. A Oumela qui n'a contexte, mais encore la dictature, dans le contexte de profiter de la peuple. Donc, si vous demandez à Fatshi de suivre la même logique, rassurez-vous que vous êtes en train de créer un dictateur sans le savoir. Et l'inconvénient, c'est que les dictateurs dévorent Bato Bayinisakabako Misarabango. Tous ceux qui ont commencé avec Kabila Joseph n'ont pas fini avec lui. C'est des gens qui sont tombés moquant les uns après les autres. Tombés pas dans le sens de mourir. Non, tombés dans le sens de... Ils vous suissent, ils vous laissent tomber. Ils vous utilisent et puis ils vous laissent tomber. Mes frères, Fatshi n'a pas besoin des fanatiques. Il a besoin de gens qui lui disent la vérité. Président Awa Ezokine Malamute. Président Koto Tokenongo Malamute. Jeunesse Yamboka, Tala Modelo Okenango. Salas Marambuya Santé, Modelo Okenango. Le président doit lui aussi, individuellement, ne pas oublier d'où il vient. Il y a un président européen, la Bosse Nikombo Naye, hein, je crois. Non, non, ce n'est pas le président américain, ce n'est pas le président, c'est plutôt Monseigneur Ambongo. C'est Monseigneur Ambongo qui a demandé à Fatshi de ne pas oublier d'où il vient. Parce que moi, je peux dire au président Fatshi maintenant, les réalités aux Alaki Nango et à Congo, elles ont les mêmes réalités échangées. Bako Sayote, que au commun a pouvoir échanger. Non, la pauvreté est la même. Les problèmes des militaires sont les mêmes. Les problèmes des routes, elles ont les mêmes. Rien n'a changé dans les problèmes. C'est plutôt vous de changer la manière de faire au Kutaki. Alors, on va constater que non, président, Moni Makambo, t'es. Et puis, nous demandons au président Fatshi, avec le président, il y a ordre, t'es. Non. Avec le président, il y a suivi. Ou les Angamboka, ou les Alaki suivi. Ceux qui Mobutu, Asalaka suivi, Équateur, et les Alandengue, Wanate. Ceux qui Kabila, Kabangi, Asalaki suivi, mais les Katanga, Mais le Est, mais le Makambo, tout le monde a un bon cas où il a bon côté. Pour l'époque, Kabila, comme ça, il y a un bon bima pour un projet. Mais place, il y a un bon kenda, il y a et au lieu à sanctionner, à sanctionnaté. Donc le régime de Kabila est tombé à cause de l'inaction du président, du laxisme du président,
À cause, il y a un manque qui a suivi, il y a président, et surtout l'impunité de sa propre part. Alors, ce sont les quatre caractères, tout le caractère, nous sommes amants et belés, au lieu de couper qui n'est pas Kabila, tout le monde n'est pas fatigué. Fatigué, il faut aller avec eux. Ceux qui ont été mis dans l'hôtel, ils ont été mis dans l'hôtel, ils la président. A qui après ces décisions, il y a mal à nous. Président qui a passé ordre. Non, la semaine dernière, il a limité. Figure, est-ce que vous imaginez? Bateau, il faut passer à la macambona. Bassali, il y a oh, le président pour lui, c'est Bassali. Oh, Bassali, il y a mon bout, mon nom, mon balébélé, mon bout, est allé dans l'équateur. À Tamboli, dans l'équateur, on a vu un monde de la Kangamina, à Kangamina, dans ma belle, mon gobou. Oh, mon bout, tu appelles ma collaborateur, on a dit. Ah, mais, Moussala, Moussala, on a déjà, non? Il y avait ceux qui 10 ans, cette route était censée être faite. Vous savez comment, non? Mais ils ont un projet. Babandi, non, président, Mouni, et Zalakaboué, et Kendaki, et Zongaki, et Kendaki, et Zongaki. Et puis finalement, Balaba les Selemate. Mon route, au lieu de sanctionner, il ne sanctionne pas parce que c'est mon frère, ma soeur, mon cousin, mon beau-frère, et tout. C'est ça le problème du pays. Nous demandons au président Fatshi de ne pas être le président Yaba ordre. Ah, dans le président Yaba suivi paix. Ata la pembongo à Mosolambo ke bimi. Oui, mais et sali nini. Qui avait l'argent? Comment ça se passait? Les gens vont dire que ce n'est pas le rôle du président. C'est faux. Ce n'est pas son rôle technique. Mais c'est son rôle en tant que superviseur numéro 1 du pays. C'est lui qui supervise. Et donc, on y a son Congo. Yende, Moutatala, Galo, Galibousso. Il ne peut pas se contenter d'un rapport. Parce que ce que Kabila Kabila n'a pas comprendre. Mais ici, c'est Fatshi qui a été dans l'opposition. Qui a vu la faiblesse de nos routes? Non, qui a vu la faiblesse de nos routes? La différence entre Fatshi et Kabila et Zaboué. Kabila est un boka ou à 29 ans à sa opposition, à sa rébellion. À Tamboula, na Congo. Mais vous avez M. Félix Tshisekedi opposant. Depuis sa naissance, à Zara opposant. Félix Tshisekedi opposant. 56 ans d'opposition. Déjà qu'il était bébé opposant. À quoi nous collons opposant? Donc il a marché à circuler dans Babalaba, la Nyon sur la Congo en tant qu'opposant. Il a été témoin. Il y a ma Mzela Mabé, il a été témoin. Il y a ma Kourou Mabé, il a été témoin. Il y a ma problème Nyon sur Mboka. Donc aujourd'hui, il n'a pas le droit de dire Nayaba Kiyote, Nayaba Kiyote. Non. C'est pourquoi nous demandons au président Fatshi de ne pas oublier. De ne pas oublier Babilo Kouana. Il a des bonnes intentions, de bons projets. Il va même donner des ordres. Il y a Malamou. Mais président, ce que ça lui suivi, il y a Malamou. T'es, Mboko quoi avancé. Or, il y a un ça l'a suivi de mon côté. Parce que ça a suivi de mon côté. En tant qu'homme, il y a suivi de mon côté. Mais tu peux faire le suivi à travers les gens que tu places dans la ceinture. Monsieur le président, vous allez payer pour le choix que vous faites de vos collaborateurs. Na Congo, il y a encore cette race d'individus qui ne travaillent pas pour l'argent. Et dans la Batumsu, dans Mboka, oh, l'argent ne leur dit rien. Je ne veux pas dire que moi ou les autres, non. Il y a des gens au Mbongo, le Belabango, et l'autre côté. Oh, les autres, le Belabango, le Kouzali, dimension, il y a immortalité dans Bango. Il y a des gens qui attendent servir le pays en âme et conscience. Ils veulent que Banana fière un jour que notre père était conseiller du président. Il avait donné tel conseil, tel autre conseil. Pas de conseillers qui vont bouffer l'argent sans faire leur travail. Je rappelle au conseiller de Fatshi, cher conseiller, conseiller un président de la République est un privilège. C'est un privilège divin, mais aussi une grande responsabilité historique, comme le fait d'être président de la RDC. Le fait d'être président de la RDC est non seulement un privilège divin, mais est une responsabilité historique. Parce que l'humanité retiendra que si un président a échoué, c'est parce qu'il n'a pas eu de bons conseils. Parce que si un président a des bons conseils et qu'il n'applique pas ces conseils-là, on doit le sentir dans la démission, il y a la conseiller naïe. Parce que moi, si vous me prenez comme conseiller, je vous donne mes conseils que j'estime être fondés, mais vous allez à l'encontre des conseils que je vous donne. Et ça ne produit pas les effets que mes conseils auraient produits. Mais ça produit par contre des effets négatifs. Je démissionnerai sans aucun problème pour sauvegarder ma dignité. Et je viendrai dire aux gens, j'ai démissionné parce que voici ce que moi je voulais.
Voici le résultat auquel on s'attendait. Mais voici le choix de mon président. Il a choisi ça. Et voici ce que ça a produit. Ce choix est mauvais. Et je ne veux pas participer à Nagolia Kambongo. On a besoin de citoyens comme ça. Cher conseiller du président, je ne parle pas du conseil du président ou Bakobo Badaki Bato FCC. Bino Bato FCC, Boibou Magamana, Bino Bousalaka, je ne suis pas là-bas. Nazo le Batela Bato va travailler déjà dans Makambo Kabila. Je parle de tout nouveau conseiller. S'il vous plaît, vous avez la responsabilité historique d'aider le président à gagner ce mandat, à sortir le pays dans la pauvreté, à sortir le pays dans la honte, à sortir le pays dans l'enclavement. Vous avez cette responsabilité-là. Ne regardez pas les avantages sociaux que vous avez. Ne regardez pas les avantages professionnels ou aux causes. Regardez plutôt dans ce que vous voulez léguer aux futures générations. Constituez-vous en bloc et allez rencontrer le président. Dites au président ce qui ne marche pas et ce qui marche. Soyez témoins de l'avancement en Bokanabiso. Soyez les acteurs du développement de ce pays. S'il vous plaît. Ne vous comprenez pas dans vos petits bureaux aux Okambongoli, à Kambongozana Soukate. C'est comme ça que vous changez les choses. C'est comme ça que vous changez les choses. Le président Fatshi n'a pas besoin de fanatisme. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin. Le président doit accepter la contradiction au sein de lui. Mais une contradiction réelle, une contradiction objective. Sinon, vous créerez un dictateur. Quand vous parlez avec les intellectuels congolais, Fatshi n'est pour rien. C'est un président, il est responsable de rien, mais il est innocent dans tout. Est-ce que le président... Non, ce n'est pas son rôle. Est-ce que le président... Non, son rôle l'a été. Parce que son rôle l'a été à Ninkasi. En fait, on a comme l'impression quand tu commences à critiquer le président, on doit fungo liba. Non. Oye ko batte la président na pouvoir eza misala na ye. Eza maloba ya batote. Oye ko batte la ye na musala et na pouvoir eza misala na ye. Eza esaleli na ye. Eza maloba ya batote. Eza propagande te. Boki ko ganga lelo, boko kumisa Félix nenge bolingi. Nanya kumisa Kabila te na mboko. Qui sont ces intellectuels là où Badakuna m'a commis ça a été? Vous avez entendu comment ils ont dit? Mais Misala Naye, le bilan de Kabila a combattu Kabila. Le bilan de Kabila était le premier opposant de Kabila. C'est le bilan de Kabila. C'est ce qui a détruit Kabila littéralement. Alors, le bilan de Fatshi le détruira aussi. Ou va le hisser. Or, si vous voulez construire un bilan du président, c'est maintenant que vous travaillez pour lui. C'est maintenant que vous l'aidez à asseoir un leadership organisationnel. C'est comme ça que vous le faites. Mais si vous rentrez dans la flatterie, vous ne réussirez rien du tout. Rien du tout. Beaucoup ganga, beaucoup kumisa, beaucoup yembelaine bolingi. Mais si son bilan est contre lui, il perdra. Et pour que son bilan soit pour lui, vous devez travailler autour de lui. Ça, c'est un appel au conseiller. Ne mentez pas le président. Ne lui dites jamais oh, vous êtes convaincu d'un côté. Soyez des hommes de terrain. Allez derrière chaque projet. Le Congolais a besoin d'électricité. Le Congolais a besoin de l'eau. Le Congolais a besoin de routes. Le Congolais a besoin de l'école. Le Congolais a besoin de la santé. Ce sont les choses que vous pouvez faire pendant 5 ans. Peut-être pas électrifier tout le Congo, mais qu'on sente quand même que Makamedo est moins bien. Pas les fanatismes, s'il vous plaît. Évitez d'être irrité à chaque fois qu'on conseille le président. Évitez. Soyez plutôt des gens qui l'aident à avancer. C'est ce qui est très important. Excusez-moi de vous avoir pris 4 minutes. Merci d'avoir été nombreux. Passez une très bonne fin de semaine et nous vous souhaitons déjà un bon début de semaine demain. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC.